tu souhaites reproduire ce type de transition DJ mais tu galères à les comprendre, salut à tous, c'est Tonton Jerem et bienvenue sur Titomix, la chaîne dédiée au DJing. Dans cette vidéo, nous allons démystifier ensemble, en plusieurs étapes, la transition du DJ français taulier de la techno, Monsieur Laurent Garnier. Il est très compliqué, surtout en tant qu'apprenti DJ, d'être original dans toutes ces transitions et de ne pas tourner en rond au bout d'un certain moment. Ah. Je m'en rappelle, je venais tout juste de maîtriser le calage tempo. J'étais prêt à attaquer tranquillement les transitions, mais au bout de quelques jours, je ne faisais que répéter les transitions simples que j'avais appris. Il me manquait des exemples précis que je pouvais implémenter à ma guise dans mes mix afin de les rendre plus originaux. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Mais avant de démarrer, si tu veux recevoir plus de conseils pour apprendre le mix et développer tes compétences DJ, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucun tuto. C'est bon pour toi? Yes, super! Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour commencer, je vais te montrer à nouveau la transition que nous allons décortiquer ensemble. Cette transition est extraite du DJ set fait durant l'édition 2013 d'un festival se déroulant à Amsterdam, aux Pays-Bas, Techmantel. C'est un festival de musique électronique pas comme les autres. À la pointe de la technologie, ils organisent chaque année les performances les plus créatives et les plus influentes en matière de house et de techno. Beaucoup de DJ le considèrent d'ailleurs comme leur festival préféré car le festival les encourage à prendre des risques et à sortir de leur zone de confort. Techmantel est désormais une référence de l'innovation et de la créativité, ce qui en fait l'un des festivals les plus respectés du pays. Le set est visionnable sur la chaîne YouTube du projet musical londonien Boiler Room ou directement par le lien que je te mets dans la description si cela te tente. Si jamais tu joues sur un autre logiciel de mix avec un autre contrôleur, je te laisserai trouver les différentes corrélations entre ton matos DJ et le mien dans le but d'avoir le même résultat final durant ce tuto. Voici la transition en question. Nous voici avec notre matos DJ pour démystifier la transition de Laurent Garnier. Pour ça, il te faut au minimum un contrôleur avec ton logiciel de mix sur ton ordi, ton casque DJ pour ta préparation, ainsi que les chansons que nous allons utiliser aujourd'hui que tu trouveras dans la description juste en dessous. Entrons dans le vif du sujet avec la première étape, la bonne analyse de tes tracks. Analyser correctement tes morceaux va te permettre d'avoir les mêmes valeurs de tempo que moi et de bien exécuter ta transition par la suite sur ton propre matos. Dans un premier temps, vérifie tes réglages au niveau de ton logiciel sur l'échelle de tempo, autrement appelée tempo range, et le déblocage de la variation de tonalité, autrement appelé le keylock ou master tempo. Tu as juste à copier-coller ce que tu vois à l'écran en mettant pause si nécessaire. Ensuite, vérifie que tu es bien à 124,4 BPM lorsque ton pitch est à 0 pour ta première chanson et 128 BPM sur la seconde. Si jamais tes deux chansons ou l'une d'entre elles est erronée sur cette information, sur Traktor Pro 3, va dans le menu Grid, qui va se trouver ici, et modifie la valeur du BPM pour rectifier le tir. Une fois que tes modifications sont faites, pense à les verrouiller grâce au cadenas qui va se trouver juste ici. Une fois l'analyse et la vérification des informations des tracks faites, nous allons passer à l'étape 2, la préparation des hot cues et repères visuels sur les deux morceaux. Les hot cues seront là pour déclencher les tracks au bon moment et les repères à te faciliter la tâche sur la gestion des mouvements de morceaux pour bien exécuter la transition de notre Lolo national. Si on prend le premier morceau, tu vas tout d'abord avoir 2 hot cues et 6 repères. Le premier hot cue est là afin de bien placer sur toute sa durée la beat grid dans Traktor Pro 3 sur le premier temps de la première mesure du morceau. Si tu es sur un autre logiciel, tu n'es pas obligé de placer celui-ci. Cependant, vérifie que le premier temps de ta grille de tempo est bien placé sur le premier temps de la première mesure de la chanson de Felix Da House Cat pour le placement de tes autres repères.
Le second servira à plusieurs choses. Régler le volume d'entrée de notre track dans notre matos DJ et démarrer notre mix. Il se trouve à 2,34 ou sur le premier temps de la 81e mesure. Contrairement au premier, celui-ci doit être impérativement placé pour bien exécuter ta transition. À partir de ce deuxième haut de cue, nous allons placer 6 repères tous les 32 temps. Pour ça, avance de 32 temps avec le bouton Move se trouvant ici ou utilise le Beat Jump. Tu peux utiliser les emplacements de haut de cue restants ou utiliser d'autres types de repères visuels afin de les afficher, comme l'enregistrement des cues par exemple. Je t'expliquerai au fur et à mesure de ce tuto ce qui se passera sur chacun de ces repères. Vérifie bien les différents temps de placement afin de ne pas te tromper. Les temps de placement sur Traktor, tu les verras notamment ici. Tu vas ensuite avoir 2 hot cues et 5 repères visuels afin de lancer au bon moment ta seconde chanson et de savoir quand finit la première. Le premier hot cue se trouve sur le premier temps de la première mesure de la chanson de Monsieur Garnier. Il servira à la fois pour le bon positionnement de la grille de tempo tout au long du morceau, mais aussi pour le lancement de Bang par rapport à Frankie Meets Pauline. À partir de ce premier hot cue, nous allons placer 5 repères tous les 32 temps. Même manipulation qu'avec la première chanson, utilise le bouton Move ou l'option Beat Jump. Vérifie bien les différents temps de placement afin de ne pas te tromper. Et je vais te montrer les différents temps que tu vas avoir et que tu vas trouver ici. Enfin, le dernier repère posé à 1 minute 15 ou sur le premier temps de la 41e mesure correspondra à l'emplacement de ton second hot cue. Celui-ci te permettra de régler le volume d'entrée du morceau dans notre matos DJ et de te prévenir que c'est à cet endroit que le premier morceau disparaîtra de notre set. Une fois tes différents hot cues et repères visuels posés sur tes deux morceaux, nous allons passer à l'étape de réglage de gain. Trop souvent négligée, elle permet de maîtriser le son sortant de ton mix en homogénéisant le volume d'entrée de chacun des morceaux que tu joueras. Pour ça, appuie sur le hot cue pour te placer dans un moment fort de ton morceau, puis règle son volume d'entrée jusqu'à une certaine limite que tu vas définir grâce au vu-mètre. Pour ma part, dans ce tuto, je vais utiliser la dernière LED bleue qui va se trouver juste ici, qui devra rester allumée pour la définir en évitant de trop taper dans le orange, voire dans le rouge. Je monte. Voilà, on est pas mal. Avant de passer à l'étape suivante et commencer l'analyse de notre transition, si tu veux démarrer ton aventure DJ de façon efficace et ludique avec Tonton Jérém, clique sur le lien dans la description pour découvrir mon catalogue de formation. Nous allons maintenant explorer ensemble la transition du DJ producteur français. En soi, elle n'est pas compliquée à faire si tu suis bien chacune des étapes et si tu t'entraînes régulièrement. Le fait que tu démarres le morceau à un certain moment te permettra d'avoir une limite de temps, ou deadline en anglais, sur chacune des manipulations à faire pour bien respecter la progression rythmique de ton mix. Si commencer avec le tempo initial de la chanson de Félix Da House Cat, à savoir 124,4 BPM, est trop rapide pour toi, baisse le tempo de cette chanson à 120 BPM environ, puis augmente de 1 battement à chaque fois que tu réussis sans stresser et proprement ta transition jusqu'à arriver à 125 BPM environ. C'est d'ailleurs un conseil que tu peux appliquer si jamais tu as des difficultés sur d'autres techniques DJ comme les transitions ou même le scratch. Tu peux même l'appliquer dans différents domaines de ta vie quotidienne si tu galères sur une manipulation ou une opération particulière. Pour t'exercer, tu devras commencer par bien lancer ton second morceau par rapport au tempo de ton premier track. Tu vas t'aider des hot cues et repères visuels placés lors de l'étape 2 pour situer à quel moment lancer ton second morceau, mais aussi du tempo de la musique en elle-même. Pour ça, appuie sur cue ou sur le hot cue correspondant en rythme par rapport au tempo de notre premier morceau pour avoir plus de chances de réussir cette étape. Puis, lance
le deuxième morceau lorsque le repère 3 de la première chanson arrive. Si je te fais l'exemple en musique, ça donne ça. Tu répéteras cette étape autant de fois que nécessaire afin de la maîtriser. À force d'entraînement, tu seras de plus en plus à l'aise et tu pourras te défaire petit à petit des aides visuelles pour que cela devienne vraiment naturel pour toi en ne regardant pas l'écran de ton ordinateur. Une fois le lancement maîtrisé, on rentre dans le cœur de la technique du calage tempo. Si on écoute les deux morceaux simultanément, ça donne ça. Comme tu peux l'entendre, le deuxième track se décale par rapport au premier en termes de tempo. Il accélère par rapport au premier. Il faudra dans notre cas le ralentir, comme ceci. Pour que tu puisses entendre et comprendre ce travail de calage, je te l'ai fait avec l'écoute des deux morceaux dans le master. En temps normal, le public ne doit pas entendre ce travail de beat matching. Il faudra par conséquent le faire au casque avec tes propres réglages pour que tu puisses le réussir efficacement. Attention, ton calage tempo devra être suffisamment précis avant d'entrer le second morceau dans ton mix et de respecter la structure du set fait par Laurent Garnier. Tu as 25 mesures pour bien le réaliser, soit 46 secondes, avec les temps de base des morceaux. N'oublie pas que tu peux baisser le BPM général de ton mix, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, pour augmenter ce tempo disponible au besoin. Nous allons ensuite passer à la pose de la boucle sur le second morceau. Celle-ci se fera durant l'étape de calage au tempo. Et c'est ça la véritable difficulté de cette transition, faire plusieurs actions en même temps, sans stresser ni être perdu dans la structure du mix. Pas d'inquiétude, tu as notamment posé des repères visuels dans l'étape 2 afin d'être organisé sur les actions à mener durant ta transition. Certes, au début, tu auras beaucoup le pif sur ton écran d'ordi, mais c'est tout à fait normal. Mais en suivant mes conseils et ce tuto pas à pas, tu arriveras à l'exécuter parfaitement en anticipant les actions à faire pour réussir la transition du papa français de la techno, et cela sans regarder ton ordi. Si on revient à la pose de cette boucle, celle-ci se fera lors du passage du repère 4 de notre première chanson, aura une durée de 32 temps et sera désactivée après le passage du repère 5 de notre chanson 1. Tu peux me dire à ce moment-là, mais tonton, pourquoi 32 temps et pas 16 temps par exemple? Eh bien, mon cher Padawan, il y a deux raisons. La première est d'ordre pédagogique, afin de faire coïncider les différents repères visuels posés lors de l'étape 2, afin que tu ne sois pas perdu dans tes manipulations. Il y aura un seul et unique passage de cette boucle correspondant aux repères posés précédemment. La seconde est d'ordre musical. Et oui, si je t'ai demandé de poser ces repères à ces instants précis, ce n'est pas pour faire joli, mais pour respecter la structure rythmique et les mouvements de morceaux de notre set. Si jamais je ne pose pas cette boucle, écoute la structure du mix. We'll be right back.
Comme tu peux l'entendre, la chanson 1 incorpore 32 temps en trop sur la structure de notre mix, ce qui a pour incidence de déplacer le drop de la chanson 2 qui arrive trop en avance et casse malheureusement l'énergie qu'essaye d'instaurer le morceau 1 dans notre voyage musical. Par contre, si j'allonge Bang de 32 temps pour compenser ce surplus, écoute ce que ça donne. Tout est bien organisé et placé, les mouvements de morceaux sont bien agencés entre eux avec une apparition simultanée des kicks, une évolution logique dans la structure du mix ainsi qu'en termes d'énergie émise par les deux morceaux en même temps. Voilà pourquoi la lecture de cette boucle est primordiale dans la bonne exécution de cette transition. Tu peux aussi utiliser l'option Beat Jump pour reculer de 32 temps lors du passage du repère 4 de notre première chanson. Autre chose, durant cette étape et les prochaines, si jamais le calage tempo de la chanson 2 par rapport à la chanson 1 n'est pas fini, il faudra effectuer le maximum de corrections avant le passage du repère 6 de notre première chanson. Et donc, de l'apparition de notre second morceau dans notre mix. Ça y est, une fois la boucle jouée et notre calage tempo réussi, nous allons entrer notre second morceau dans notre mix en montant progressivement son volume à partir du repère 6 de la chanson 1. Tu devras baisser les basses de celle-ci au maximum avant de monter le fader de volume. Bien sûr, si jamais durant cette étape, tu entends encore des imperfections dans ton calage tempo, effectue les corrections adéquates. Si je te fais l'exemple en musique, ça donne ça. Quatre temps avant le passage du repère 7 de la chanson 1, qui se trouve ici, correspondant à l'entrée des kicks de nos deux chansons, il faudra baisser de moitié les basses de la chanson 1. Tout cela dans le but d'avoir le rendu sonore le plus clair possible, mais aussi pour prendre de bonnes habitudes en mix quand tu joueras plus tard sur de gros systèmes son, afin de jouer un mix propre pour ton audience. En gros, il faut que tu n'aies qu'une seule pulsation dans les basses et dominante dans ton mix. Si je te fais l'exemple en musique, ça donne ça.
entre le repère 7 et le repère 8 de la chanson 1, nous allons reproduire les apparitions de basse faites par Laurent Garnier. Elles se décomposent de cette manière. Durant les deux premiers temps de la mesure 1 et 2 et, on va monter les basses de la chanson 2. Durant les deux derniers temps de la mesure 3 et 4 et, on va baisser les basses. Si je te le fais d'abord au ralenti, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. D'accord ? En mix, ça donne ça. Pour finir, nous allons sur le dernier temps avant le passage sur le repère 8 de la chanson 1, baisser complètement les basses de celle-ci pour ne laisser que les basses de la chanson 2 dans notre mix. Écoute ce que ça donne en musique. Avant de finir la transition de Laurent Garnier, plutôt que de baisser progressivement le volume de notre chanson 1, qui peut faire une fin de transition tout à fait honorable, nous allons faire plus original en reprenant un des skills souvent faits par le DJ français durant ce set, à savoir des backspins. Il s'agit d'un rembobinage de morceaux en utilisant le jog en mode vinyle. Et ça donne ça. Pour bien l'exécuter, nous allons le faire sur la dernière mesure avant le passage du repère 6 de notre chanson numéro 2. Le mouvement se décompose comme ceci sur le morceau de Félix The House Cat. Premier backspin, qui dure un temps entre le premier et le deuxième temps de la mesure. Arrêt de la platine avec la main qui dure un temps entre le deuxième et le troisième temps de la mesure. Puis deuxième backspin, long cette fois-ci, qui dure deux temps entre le troisième et le premier temps de la mesure suivante. Si je te le fais au ralenti, ça donne ça. 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Si je te le fais en mix, ça donne ça. Si tu souhaites rajouter des effets pour embellir ce passage avec les backspins, franchement, fais-toi plaisir. Teste, enregistre-toi et écoute le résultat pour trouver la meilleure combinaison possible selon tes goûts personnels. Et voilà, ça y est, nous y sommes, nous allons faire la transition dans son intégralité. Après avoir suivi mes conseils, après t'être exercé correctement, normalement, tu devrais arriver au résultat suivant.
girl. Ooh, shit. Wait a minute, motherfucker. Where the fuck that club come from? Do you play baseball? Motherfucker, I know you ain't gonna put all that in me. Girls, you should have seen this motherfucker. Big old hateful notorious club, girl. Woo! Girl, I commence to sleep. Work this pussy, you big, ugly, bean-eating ass son of a bitch. You! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ou presque. Si tu as aimé ce tuto et que tu aimerais t'y mettre à fond en étant suivi par Tonton, alors clique sur le lien dans la description pour découvrir mon catalogue de formation. Ou contacte-moi pour faire le point sur tes objectifs, ta motivation et t'orienter vers le meilleur choix de formation. Un grand merci à Native Instruments pour leur confiance. D'ailleurs, si tu souhaites t'offrir un tracteur contrôle pour commencer ton aventure d'apprenti DJ, tu peux checker toutes les informations se trouvant en bas dans la description. Bon courage à toi, bon entraînement et puis à la prochaine. Ciao!